Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 5 grosses opportunités crypto et NFT pour l'année 2022. Il y a certains des projets dont je vous ai déjà parlé, que vous connaissez probablement si vous nous suivez un petit peu sur les différents réseaux, mais je voulais vous les présenter un petit peu plus en profondeur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça fait plaisir si la vidéo vous plaît. Et on va commencer tout de suite avec le premier projet qui est un projet NFT Metaverse. C'est le projet Luxe, qui va vous permettre tout simplement d'investir dans des appartements, dans des biens immobiliers tout simplement dans le métaverse. Donc c'est un projet qui a pour moi beaucoup de potentiel et qui va pouvoir atteindre un floor price vraiment très très intéressant dans les mois à venir. Donc je vous laisserai aller voir en détail, si vous voulez vous intéresser au projet, un petit peu la roadmap, tout ce qui devrait arriver au cours de l'année. Il y a un token qui va arriver, il va y avoir un launchpad communautaire, etc. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être intégrées, hein, notamment une partie multijoueur. Donc la roadmap est vraiment ultra complète. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver. C'est quelque chose qui ils vont essayer en fait de développer le projet, de le diversifier au maximum, ce qui va permettre aux investisseurs comme nous d'avoir au sein d'un seul et même projet plusieurs sources potentielles de revenus. Donc c'est très intéressant. Comme vous voyez, la roadmap est vraiment très très complète. Vous pouvez retrouver le projet déjà sur Magic Eden, hein. Il est déjà sorti, donc ça s'appelle Lux Real Estate. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que actuellement on a un petit dip au niveau du floor price, pardon, juste ici, qui est à 9,49. Il y a encore à peu près une semaine, il était autour des 14-15 soles de floor price. Donc là, pour moi, c'est un moment assez intéressant de se positionner. Et je pense que c'est un projet qui va pouvoir aller chercher facilement les 100 soles de floor price dans les mois à venir. Donc en gros, concrètement, vous allez détenir tout simplement un NFT qui correspond à la clé d'accès justement d'un des appartements, d'un des biens immobiliers, ce qui vous permettra donc de dégager une certaine plus-value si votre bien prend de la valeur. Donc c'est quelque chose d'ultra intéressant. Je vous laisse aller voir sur Magic Eden et sur leur site. Je vais vous mettre de toute façon les liens, je vous les ai déjà mis, pardon, dans le Telegram. Je vais vous les remettre dans la description. Vous avez des petites vidéos de présentation qui sont très très intéressantes, qui montre un petit peu l'univers métaverse de ces différents appartements. Je vous laisse un petit peu regarder là actuellement la cinématique qu'on a. C'est quelque chose vraiment de très qualitatif, hein, d'un point de vue graphisme, etc. Il y a un gros gros travail qui a été fait par les créateurs, par les développeurs. Donc moi, c'est un projet vraiment qui me plaît énormément. Et je vous l'ai expliqué, en plus actuellement, on est sur des niveaux de prix vraiment très intéressants. Donc en termes de points d'achat, c'est clairement idéal. Je pense encore une fois qu'on peut aller chercher les 100 soles de floor price dans les mois à venir. Donc c'est un projet ultra ultra balèze, hein. Vous voyez avec la petite cinématique que je vous mets, que c'est vraiment quelque chose d'ultra ultra ultra quali. Donc voilà pour le premier projet, donc NFT Metaverse. Comme je vous le dis, il y a un token qui devrait arriver aussi au cours de l'année 2022, une ICO pardon, qui pourra être donc intéressante, sur laquelle se positionner pour dégager aussi un revenu très intéressant. Juste pour terminer sur ce projet-là, ils ont prévu aussi de mettre en place un play to earn, donc pour intégrer ces NFT au sein du métaverse dans un play to earn. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet, très diversifié, qui a énormément de potentiel. Voilà, on va passer tout de suite à la deuxième opportunité. Je vous en ai déjà parlé, c'est le projet Art Can Die. C'est tout simplement un projet qui vise à un petit peu révolutionner et sauver l'art tel qu'on le connaît aujourd'hui en le décentralisant. Alors comment ils vont faire? Eh bien, ils vont actuellement utiliser une levée de fonds avec l'IDO de leur token, le DAI, hein, que vous pouvez d'ores et déjà acheter. Donc déjà, d'un point de vue spéculatif, ça peut être très intéressant parce qu'il va y avoir une plus-value, pour moi, assez importante à tirer de cette ICO. Donc c'est tout simple, vous allez sur le site, vous faites acheter DAI, vous avez juste à vous connecter, enfin créer un compte, et vous pourrez tout simplement le faire. Donc ils vont répondre à plusieurs, pardon, problématiques très très importantes qu'on a aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est-à-dire le manque de liquidité, une certaine opacité et un manque de transparence, on pourrait dire, en fait, sur ce marché, une centralisation qui est beaucoup trop importante, qui est voire même élitiste, et une bureaucratie, c'est-à-dire qu'en termes de transfert de propriété, transfert de biens, c'est assez compliqué, même en termes d'assurance et de caution. Donc ils vont répondre, ce projet, à toutes ces problématiques. Et on le sait aujourd'hui, l'art, avec l'arrivée des NFT, parce que là je parle bien d'art, c'est quelque chose qui est un petit peu en difficulté et qui a besoin d'être amélioré, révolutionné. Et donc il y a un certain nombre de problématiques qui vont être à résoudre, pardon. Donc ce projet justement va essayer de travailler sur ces différentes problématiques, et ils sont actuellement, donc comme je vous le disais au début de cette présentation, en train de faire une levée de fonds avec leur token, le DAI, pour essayer d'avoir tout simplement une somme d'argent assez conséquente pour mener à bien
leur projet. Donc, encore une fois, je rappelle, c'est évidemment pas du conseil en investissement. Là, je suis là pour vous présenter des projets solides, des projets intéressants, des projets qualitatifs. Là, on est vraiment sur une vidéo où je vous présente des choses sûres. Voilà, on n'est pas sur une grosse prise de risque. Elle existe toujours, la prise de risque, mais on n'est pas sur une grosse prise de risque. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, la même chose, je vous mettrai le lien à nouveau dans la description, mais vous allez sur artkendai.com et vous aurez toutes les informations. Je vous conseille aussi de lire le white paper, hein, évidemment. Le white paper qui, je le rappelle, c'est tout simplement une espèce de business plan d'un projet crypto ou NFT. Donc, très, très intéressant pour ce deuxième projet. On va passer tout de suite au suivant. Voilà, on arrive sur le troisième projet qui est personnellement mon préféré. Pourquoi? Parce que déjà, d'un point de vue revenu, vous allez pouvoir générer jusqu'à 29 000 dollars par an. Ce projet, c'est Mighty VeChain. Pour moi, c'est un projet qui va révolutionner un petit peu le monde du sport et surtout la façon de regarder le sport. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez pouvoir gagner de l'argent en regardant vos compétitions sportives préférées, en regardant vos athlètes préférés. Donc, c'est quelque chose déjà d'ultra intéressant puisque c'est une sorte de revenu totalement passif. L'autre chose intéressante, c'est que en utilisant cette plateforme, vous allez pouvoir aider les sportifs à être financés. Comme vous le savez, par exemple, aujourd'hui pour les Jeux Olympiques, eh bien, il y a certains sportifs qui ont des difficultés à être financés, des difficultés à trouver des sponsors. Et justement, avec ce projet, vous allez leur apporter potentiellement une certaine liquidité, une certaine visibilité qui va leur permettre d'être financés plus facilement et d'intégrer du coup certaines compétitions. Donc c'est un projet vraiment ultra complet. Là encore une fois, vous avez toute la roadmap du projet qui est expliquée sur le site. Donc c'est un projet qui va se développer sur l'année 2022. Ils ont commencé en 2021, mais là ça va vraiment rentrer dans des choses concrètes et sérieuses au cours de l'année 2022. Sachant qu'en plus on va avoir des grosses compétitions sportives hein, en 2022 avec notamment la Coupe du Monde de football, mais pas uniquement. On peut penser aussi aux JO à Paris dans quelques années. Donc ça va être vraiment quelque chose de balèze. C'est un projet, encore une fois, d'un point de vue revenu qui va être très intéressant, mais d'un point de vue, on pourrait dire, un petit peu moral, qui va apporter beaucoup au monde du sport, que ce soit pour les athlètes, mais aussi pour les téléspectateurs. Donc vraiment quelque chose de très intéressant. Là aussi, ils vont développer leur token qui va vous permettre d'accéder à certains services très intéressants, à des avantages tout simplement spécifiques. Et donc, c'est quelque chose d'ultra, d'ultra, d'ultra intéressant. Vous voyez, vous allez pouvoir faire du stacking, du farming, accéder à certaines masternodes, avoir un impact et une prise de décision justement l'évolution un petit peu du projet. Et puis, comme je vous disais, accéder à certains services NFT, crypto particuliers directement sur la plateforme. Donc, clairement, c'est mon projet préféré dans tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Là encore une fois, parce que voilà, il va y avoir des revenus vraiment très très conséquents à aller chercher au cours de cette année 2022. Donc, je vous laisserai aller voir un petit peu plus en profondeur là encore si le projet vous intéresse. Je vous ai déjà mis les liens dans le Telegram, je vais vous les remettre dans la description. Mais voilà, mon projet préféré, c'est le premier en plus projet fan to earn qui est mis en place et qui se développe aussi bien. Je pense qu'on devrait avoir d'autres projets qui devraient se développer un petit peu dans ce sens-là au cours de l'année 2022 et dans les années à venir. Mais c'est vraiment quelque chose de balèze. Là encore, on est sur quelque chose d'assez safe, d'assez solide. Voilà, il n'y a pas forcément une prise de risque énorme, mais c'est vraiment très intéressant. On va passer tout de suite au suivant. Là encore, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé depuis plusieurs mois. C'est le projet JPEG, tout simplement, qui vise à démocratiser totalement les NFT, les rendre accessibles à tous. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les NFT, et notamment ceux sur la blockchain Ethereum, ne sont pas forcément accessibles à tous, étant donné les prix assez conséquents, les frais, on le sait, qui sont assez importants sur la blockchain Ethereum, bien qu'ils soient un petit peu plus faibles en ce moment. Donc c'est un projet qui vise à vraiment rendre accessible le monde des NFT à tout le monde. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que on est actuellement dans la période de l'IDO en cours, donc qui va vous permettre de vous positionner et d'acheter le token donc JPEG et de dégager du coup une plus-value vraiment très intéressante puisque leur token devrait être très très bien propulsé au cours de l'année 2022 étant donné que je pense que c'est un projet qui va vraiment exploser. Pourquoi il va exploser? Parce que pour moi c'est un projet qui va apporter beaucoup à l'univers crypto, NFT, qui va aider énormément les gens et c'est ça dont on a besoin, c'est de l'entraide. Il faut penser et il faut savoir que voilà, le but c'est pas de rentrer dans une compétition perpétuelle entre tous les projets, etc. Il faut savoir s'entraider pour tirer une plus-value globale et faire avancer justement tout ce monde-là, tous ces projets-là. C'est exactement le but du projet JPEG. Donc moi je suis en assez étroite collaboration avec eux, hein, je travaille avec eux, c'est d'ailleurs eux qui financent les différents concours où je vous fais gagner 200 dollars.
Donc je les accompagne aussi dans leur développement. Je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de très 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 solide. Je vous laisserai aller voir aussi la roadmap pour les différentes étapes de l'année 2022 qui vont être vraiment ultra importantes. Là encore, on n'est pas forcément sur quelque chose de très risqué, c'est du safe, c'est du solide, mais ça a vraiment énormément de potentiel. On va passer tout de suite à la dernière grosse opportunité pour 2022 et celle-ci, c'est vraiment quelque chose de très très lourd. C'est tout simplement ArtTrade. C'est le tout premier réseau social spécialement pour les NFT. C'est un réseau social qui est conçu un petit peu de la même manière qu'Instagram, avec des publications, des stories, des lives que vous allez pouvoir transformer simplement, efficacement, sans trop de frais, sous forme de NFT. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra intéressant. Le design est super intuitif, donc en termes d'utilisation, ça va être vraiment facile pour tout le monde. Vous allez en plus de ça pouvoir connecter directement votre compte Insta ou Twitter à la plateforme. Donc franchement génial. Comme je vous disais, design ultra intuitif, ça va être vraiment facile d'utilisation. Et comme je vous disais, c'est ultra rapide. Et en plus de ça, il y a très très peu de frais. Comme vous savez, aujourd'hui sur OpenSea ou même Rarible, quand vous postez des NFT, il y a quand même des frais assez conséquents. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc si on compare un petit peu par rapport aux autres plateformes, comme je vous disais, OpenSea ou même Rarible, c'est clairement la plateforme la plus complète, que vous soyez sur smartphone, sur ordinateur, que vous ayez Instagram, Twitter, d'un point de vue communautaire, etc. C'est complet de A à Z. Là encore, il y a une ICO en ce moment qui est très intéressante avec leur jeton l'ATR. Je peux vous conseiller de vous positionner ou du moins de regarder un petit peu plus en profondeur le projet puisque clairement, je pense que leur token va vraiment avoir un gros gros potentiel sur l'année 2022 et pouvoir être propulsé à des niveaux assez intéressants. Donc, je vous laisserai aller voir en profondeur. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description. On va arriver au terme de cette vidéo. Donc, c'était vraiment 5 projets vraiment balèzes que je vous ai présentés aujourd'hui. Comme je vous ai dit, on n'est pas sur quelque chose de très risqué. C'est du safe, c'est des projets solides. Il y en a certains avec qui j'ai collaboré un petit peu, avec qui j'ai échangé. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de vous en parler. Et je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, tout simplement parce que la plupart sont aujourd'hui à des moments décisifs de leur développement. Et donc, pour nous, investisseurs, ça peut être intéressant de rentrer et de participer actuellement. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve juste après pour une autre vidéo qui va sortir aujourd'hui. Oui, il y a, je vous l'avais dit, beaucoup de contenu cette semaine, donc restez connectés. On se retrouve juste après. Salut à tous, c'était Alex de CryptoLearning.